Bonjour à tous et à tous, bienvenue au Stade Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons faire un reportage sur le cross inter-école privé de l'école Saint-Paul et l'école Notre-Dame Sainte-Philomène. Voilà, comme chaque année, les enfants donc, des écoles privées de Montluçon se retrouvent pour une récréation sportive. Voilà, nous allons essayer de trouver quelqu'un donc, de l'école Saint-Paul pour voir les préparations et bien sûr aller voir la course. Moi dès que je tape dans les mains, on y va. Allez, jusqu'au bout, c'est très bien. Allez, là derrière, tranquillement, on repart, on relance. Hein, voilà, sans aller trop vite, mais on ne s'arrête pas, on va au bout. Donc, il y a des trucs que je vous mettrai en jeu, je vous donnerai la page. Ouais, c'est... Allez, jusqu'au bout. Bah nickel. Ah d'accord. Il y a des hauts cas. On va pas plus vite là-bas. On s'accroche. On passe sur YouTube. Yes. Allez, on s'accroche. Hey, 1500 mètres, je redis bien. 1500 mètres, c'est difficile. Mais alors, quel effort. C'est Tan qui arrive, bravo. Allez. On prend le temps de boire un verre d'eau. S'il y en a des parents qui ont un petit gâteau, ça serait bien de donner un petit gâteau à ces enfants qui sont fatigués. Des enseignants.
Donc on prend le temps de boire un verre d'eau, de bien respirer, mais bravo, félicitations. Vous avez fait un effort superbe. Bravo, oh quel bon monde. Bon, ben bravo à tous ces enfants qui ont couru, qui ont fait en CM2, donc je disais bien 1700 mètres. Donc félicitations à tous ces enfants qui ont couru, qui ont tenu cette distance. Bravo, et puis à l'année prochaine, mais les CM2, ça sera le collège et ça sera différent. Mais pour tous les CM, on voit quel effort chaque année est réalisé et comment certains enfants arrivent à bien progresser d'année en année. Donc félicitations. Et donc, pour la suite, nous allons interviewer un jeune homme qui est atteint d'un handicap, mais qui était très, très courageux de vouloir courir, parce qu'il avait très envie, et moi, ça m'a beaucoup marqué. Je voudrais interviewer ce jeune homme. Donc, comment t'appelles-tu ? Théo. Quel âge as-tu ? 10 ans. 10 ans, hey. Et c'est ton premier cross ? Troisième cross ? Et donc, tu les as tous fait ? Tu as tous accepté au moins de les faire ? Ah, c'est courageux. Et bon, je peux te poser quelques questions sur ton handicap, ça ne te choque pas ? Non. Ok. Tu as. comment dire ? Tu as. C'est une naissance ? Oui. D'accord. Et bon, ça te gêne pas ? Tu peux arriver à marcher ? Est-ce que tu peux arriver un peu à courir ? Oui. Ok. Pas courir, pas faire des grands points de vitesse, mais un peu à trotter, ça tu peux ? Oui. Ça te fait pas trop mal non plus ? Non. Est-ce que c'est arrivé que souvent tu subisses le regard des gens, enfin certains de tes camarades, tu subisses certaines moqueries oui. Et c'est tout le temps ça quoi ? Bah ça m'arrive beaucoup, mais ceux-là ils ont été punis et certains ont changé d'école. Ah oui quand même, c'est pas une idée. Mais tu subis ça tous les jours ? Non. Une fois de temps en temps rarement. Bon, moi je trouve qu'au bout d'un moment les gens ont très vite compris que voilà, c'est ça et que c'est mal de se moquer. Mais pour ton jeune âge, je trouve que c'est très très courageux d'avoir fait ça. C'est au point que je vais te t'avouer un truc, ce n'était pas dans le programme que. À base c'était juste qu'on devait filmer, faire un petit reportage sur à peu près tout l'ensemble. Et quand je t'ai vu courir loin, quand j'ai filmé, ça m'a beaucoup marqué de te voir courir. Je trouve ça très courageux et c'est pour ça que j'ai insisté. Je tenais à vouloir t'interviewer. Et donc tes parents ne sont pas là ? Non. Ok, bon, bah, tu veux leur faire un petit coucou à la caméra ? Bah, bonjour, c'est comment c'est Théo ? Bonjour maman et papa de Théo, voilà. Et vous pouvez être très fier de votre enfant. Moi, j'ai trouvé très courageux de vouloir courir malgré. Attends, on va couper au montage et on va la refaire. Le handicap. Merci. Tu as trouvé le moment à la place. On va recommencer. Et donc, tes parents ne sont pas là ? Non. Tu voudrais leur faire passer un petit message ou faire un petit coucou ? Coucou papa, coucou maman. Vous pouvez être fier de votre enfant malgré son handicap. J'ai trouvé très courageux parmi tous d'avoir tant voulu insister pour courir. Et ça, c'est génial. Voilà. Ok, bon, d'autres petites questions. Je sais pas spécialement ça, parce que c'est des questions que j'ai pas réfléchi avant. Donc, est-ce que tu aimes ça au moins ? Tu aimes ça courir ? Oui. T'as quoi avec les copains ? Tu sens que t'es vivant ? Oui. Okay. Est-ce que tu comptes faire un sport plus tard ? Bah, j'en fais déjà. Tu pratiques quoi ? Le football, mais pas en club. Mmh. Je fais de la batterie. La batterie, Oui, de la batterie. Ouais, non, je suis un peu perdu, c'est des choses que je sais pas encore. D'accord, ah, et ils ont pas depuis combien de temps ? Depuis 4 ans. Tu as 10 ans ? Oui. Depuis 5 ans, mais quand même, hein. Et j'ai fait aussi du tir sportif, carabine et pistolet. Oh ouais, hey. Un fervent tireur. Et tu voudrais continuer dans l'un de ces sports ou tu... Bah je vais essayer et je fais aussi du tennis. Ah bah voilà. Là, le terrain qui est là-bas. De l'autre côté là-bas ? Oui. D'accord. Okay. Bah c'est déjà très très bien. Au moins 4 ou 5 sports que tu as pratiqué et tout. Je trouve ça très très courageux même.
J'ai même envie de t'applaudir. Bon, je devrais rajouter un petit fond musical de clap. C'est très très bien en tout cas que tu aies voulu courir et je trouve ça formidable, hein, franchement. Je te félicite et bah écoute, je te souhaite que du... comment on dit déjà ? Bonheur. Que du bonheur que dans tout ce que tu feras. Je te souhaite un très bon courage et continue sur cette voie. Malgré les mauvais regards, continue comme ça. Merci. Et non, c'est plus moi qui dois te remercier d'avoir accepté que je puisse interviewer. Et c'est très courageux de ta part d'avoir le courage. Franchement, je te dis félicitations. Bon, bah, je vais pas te déranger plus. Et bah, écoute, je te laisse rejoindre ton groupe et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Okay. Bonne journée. Mettez-vous pas devant l'objectif. Allez à Rome. Allez à Rome. Allez Lala. Bah c'est qui court tout. Parfait, ouais. Bon, allez, remise des médailles, le directeur. Nickel. Alors, attention, nous allons remettre. Alors, Aaron, je te remets cette médaille, comme tu as très, 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 très bien couru. Un vrai champion. On applaudit derrière. Bravo. Oh, voilà, bravo. Bravo. Tu l'as mérité quand même. Bravo, les enfants. Bravo. Allez tout le monde, venez ici. Donc voilà, on a passé une super journée donc cross des écoles privées de Montluçon. Donc on a vu tous les élèves courir ce matin. Et là on a terminé cet après-midi donc à l'école Saint-Paul à Montluçon avec monsieur le directeur pour justement faire courir un petit peu les plus petits dans la petite section. Les moyennes sections, qu'ils en profitent aussi également, ce qui est à peu près normal. Donc, bah, monsieur le directeur, je vous remercie énormément d'avoir participé à l'émission. Et puis, j'espère bah, pour d'autres événements, bien sûr. Donc, voilà, donc on a passé une super journée reportage. Et franchement, on a bien couru dans l'hippodrome. Voilà, bah, c'est un petit mot à dire. C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse, d'avoir été là tout au long de la journée, de nous avoir... un petit peu égayé avec votre gentillesse et votre professionnalisme. Et puis, merci pour tout l'éclairage que vous avez pu faire et pour aussi pour avoir un petit peu mis à ces enfants des petites lumières dans les yeux pour les avoir fait un petit peu rêver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah voilà. Bah, je vous dis à bientôt et au prochain reportage. Ciao, ciao. Au revoir.